j'y vais. Allons-y. Ouais. J'espère que tu as faim. On mange bientôt. Pas faim? Allez, fais un effort, il faut que tu manges. S'il te plaît. Salut Frangin! Qu'est-ce que tu fais là? Super sympa l'accueil, je vois qu'on avait des surprises. Non, non, c'est pas ça, c'est. Oh, t'as pris des cernes. Tu travailles trop, toi, hein? Elle est où, maman? Non, ça. Coucou, maman. T'es toute belle, dis-moi. Oh, la gare est super loin, je me suis fait surprendre par la pluie. Je vous dis pas, je suis tout trempé. Heureusement que Céline et le petit sont pas venus. Hein. Tu veux prendre une douche? Ah, c'est pas de refus. Je te sors une serviette. Merci pour la serviette. Ça va, toi? Oui, ça va, ouais. Un peu fatigué. Maman, mais... Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi. Je vais le faire. Voilà. J'aimerais tellement que tu me parles. Dîner bientôt prêt. Oh, la belle bouteille. C'était à papa. Tu prends un verre? Non, je bois pas.
T'as une belle bouteille comme ça et tu bois pas. C'est pour ça que t'es venu. Non, je voulais te parler de quelque chose. En ce moment, les affaires vont mal. Tu sais, j'ai investi dans un groupe et au moment où ça allait marcher, le manager m'a viré. T'as besoin d'argent? Ouais, mais j'y réfléchis. Je me disais qu'on pourrait peut-être vendre la maison. Tu sais, maman, elle va de plus en plus mal et puis ça doit pas être facile pour toi tous les jours non plus. Hein. Avec l'argent, on pourrait placer maman dans un endroit plus adapté et puis t'aurais plus de temps pour toi. Enfin, tu l'as bien mérité. Non, c'est hors de question. Mais elle va pas bien. Mais hein. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Hein, tu viens une fois par an et encore? Et tu vas me dire ce dont maman a besoin? On va manger. Il est bon ton clafoutis. Pourtant les cerises étaient moches. Elle est bien cette photo de papa. Putain, c'est dingue comme tu lui ressembles de plus en plus. C'est marrant qu'on parle jamais de papa. Je me rends compte qu'au final, je connais pas grand-chose de lui. On peut parler d'autre chose, s'il te plaît? Comme tu veux, Cyril. Je vais vous faire écouter le groupe que j'ai produit. Vous allez voir, c'est super. Celui-là qui m'a foutu dans la merde. Tu sais, maman, j'en ai parlé avec Cyril. J'aurais besoin de l'argent de la maison. Je t'ai dit non. En parler avec maman, ça changera rien. Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins en parler tous les trois? Essayer de trouver une solution qui nous irait à tous? Pense à maman. Tu trouves que c'est des bonnes conditions de vie? Mais qu'est-ce que tu sais de nos conditions de vie? Hein? C'est très bien, j'ai raison. Ça suffit, Christian! Cyril, pourquoi tu réagis comme ça? Cyril, parle-moi! Moi aussi, je peux jouer au con, hein! Oh! Hé, hey, lâche-moi! C'est un accident, maman. C'est un accident. J'ai jamais voulu ça. Ce que je voulais, c'était te protéger. Je suis désolé. Tous ces mensonges sur papa, il était vraiment violent, tu sais. Avec moi, avec maman. Quand il a commencé à s'en prendre à toi, elle a juste voulu nous protéger, nous défendre. Et elle l'a tué. C'est à moi de la protéger maintenant. Je suis désolé. Maman ?